candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. For each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey! Ok pour la technique. Alors les instruments. Badin. AMPH. D'accord, donc en MPH. L'alti, bon, l'ordre artificiel, l'aiguille, le cap, vor. Ouais, mais on n'en a pas besoin. Et ça, ce sont les contours. Voilà. Ok. Après, la VHF1, le vor, la VHF2, le GPS et le transpondeur. Le transpondeur. Ok. C'est la manette de volet. Ça c'est la richesse. D'accord. Ça c'est la manette des gaz. La manette des gaz, richesse. Alors richesse, c'est un truc qui se tourne. C'est ça. Ah non, qu'ils en font. Par contre, pour arrêter, il faut appuyer sur le bouton. D'accord. Le chauffage carbu, le rotating derrière, les phares d'atterrissage, le breaker. Là, tu as la batterie, tu as l'alternateur derrière. Et puis tu as la clé avec les magnétos. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Let's go. Eh ben, on est go. Allez. Bon, je te fais le démarrage. Hein. Yes. Donc là, tu as la batterie. Hop, je vais mettre le casque. Ok, tout le monde s'entend là? Oui, je t'entends. Ok, ça. Bon, ça c'est bon. Bah, déjà, rien qu'avec ça, on va faire un test. C'est des approbants à ce niveau-là. Je ferme la porte. Allô, allô, allô. Ouais, alors, j'en ai toujours un sur deux. Enfin, ok. C'est bon, j'en ai un sur deux, c'est ce qu'il vaut. Ça marche. C'est parti. On vérifiera juste en la clarité. Ok, bon, on fait la checklist, hein, donc si tu veux la suivre, bon, on a tout vérifié. Donc, prévol, les sièges, la porte, les freins de parking, la manette. Voilà, la clé. Ok. Donc, on met le rotating. Voilà. Personne ne va, on va mettre la richesse. On fait les injections, on n'a pas de primer. Le primer, il n'est pas branché sur celui-là. Donc, on va en faire 4. Voilà. Allez, hop, un petit peu de gaz. On prend la clé. On le tient, les freins au brick. Je me parle de freins parking parce que c'est un coup à le passer. Voilà, allez, on met 15 centimes sur celui-là. Voilà, 11 centimes. On branche à l'alternateur. On verra que là, la place soirée, que ça allait vite. On branche les radios. Voilà, 134.5, c'est la tour. 120.025, c'est la TIS. Hein. Alors on branche la VHF2 et on branche le transpondeur. Voilà, tout le reste est branché. Voilà. Nickel. On vérifie les caps par rapport à celui-là. Donc là, on est à 275 à peu près. Voilà, là tu es. Donc on vérifie la suction, hein, parce qu'il marche avec la suction, le cap et l'horizon artificiel. Voilà, donc on va écouter la TIS. Piste 28 en service. Piste 28 est en surface, code 666, enregistré à 11h48. Niveau transition 60, le nombre de 270 par bout, millimètre de tournage, 25 degrés, transition 20, tournage 24, mètre de cadre, 6, autant. La température d'huile, la température d'huile. Bon, ça c'est bon.
Alors, je recontacte la tour. Carcassonne, Fox Golf Echo, Fox Hotel, bonjour. Fox Hotel, bonjour. Oui, c'est Snap Parking, aviation générale avec Echo pour un vol dans le sud du terrain et virage par la gauche après décollage sur Sierra Fox. Aussi Fox Hotel, roulez pour l'attente Fox Piste 28, rappelez Pro Départ avec 1260 au transpondeur. Oui, 1260, rappellerai Fox et prêt au départ Fox Hotel. Allez, 1260. Alors ça c'est original. Voilà, là c'est le transport, voilà. Ok, tu as les commandes, donc gros tour, 1000 tours. Hein. D'accord. Là, tu lâches les freins, voilà c'est bon, tu les laisses partir. Voilà, on réduit, on teste les freins, vas-y, tu t'appuies, voilà okay. Ça marche. Alors tu remets 11 à 100 tours, 1000 tours, voilà. Pas besoin de freiner, hein. Il a la roulette de nez qui est dirigée par le palonnier. Hein. Ah, d'accord. Voilà, donc on vérifie virage à droite, les capots augmentent. Dans virage, hein. Les capots augmentent, la deux fois, deux fois. À gauche, voilà, à l'horizon, machin. Alors tu suis la ligne jaune, ouais. Voilà. Alors Fox, c'est là-bas, hein. Ouais. Alors, voilà, tu... On va mettre le taxi land, le taxi. Voilà, hop. Donc on vérifie les commandes, tu vas maintenant, hein, voilà. Là, ça marche, donc mets la main, la manche dans le vent, comme le vent, il viendrait par là-bas, non, dans l'autre sens, voilà. Voilà. Alors tu mets le pied à fond, hein, voilà. Un peu de gaz, là, tu la tiens sur la... Voilà. Ah, ce qui fait qu'on remonte quasiment toute la piste là. Ou les deux tiers. Sur le taxi, ouais, bah, taxi, ouais, mais ça fait à peu près la longueur de la piste. On monte jusqu'au fond, de toute façon, ce qui est derrière la piste, ça sert à rien. Hein. Ouais. c'est devant que ça compte. Ce que je veux dire, c'est que finalement, le temps de roulage ici, il permet le chauffage du moteur. Quoi. Voilà. Allègrement. Voilà. Donc ici, on décolle sans voler. D'accord. Ouais, sur un Cessna, les volets, ça... Oui, quand les pistes sont courtes, on est à 10 degrés de volée, quoi, mais, ouais. Mais ici, on décolle sans voler. Bon, la température, c'est bon, ça c'est bon, voilà. Il y a d'étonnant, par contre, du coup, là, c'est la visibilité qu'on a sur l'avant. Alors là, c'est fabuleux, là. Par rapport à DR400, la casquette, elle est là, quand même. Ouais. Alors les jauges pétrole, elles sont inex. Hein. D'accord. Donc c'est un plongeur avec une résistance, ça marche une fois sur deux. C'est... Ah. Ma meilleure jauge, c'est celle-là qu'on a là. Ouais. Là, ça se trompe pas. Voilà. Ça permet de voir vraiment voilà. Ce qu'il y a dedans. Quoi. Alors là, ça c'était le Pelican Bob qui avait avant, il y avait des tankers qui étaient là. Oui. Aviation civile, hein, là. Tankers et canadiens, mais ils viennent quand même se faire ravitailler avec les dash, ils viennent ici. Bah, le machin là-bas, le retardant, la citerne. Bon, alors on va s'arrêter. Et tu rentres, tu tournes un peu à droite et tu te mets perpendiculaire à rentrer dans l'herbe. Allez, vas-y. Le pot. Gaz. Alors, tu le tiens en frein, on n'a pas le droit de les passer là. Voilà, okay. 1100 tours. Alors, tu mets 1700 tours. Alors, la magnéto, je te le fais. À gauche. 1700. Voilà, on perd 100 tours. À la droite. Tour, ouais. Eh merde, c'est là. Voilà, c'est bon. Gauche. Droite, voilà. Allez sur l'autre, on vérifie le rechauffage carbu, ça chute un peu, 80, 90, hein. Ça remonte, ralenti, ok, voilà, ouais, 100 tours, stable. Voilà, tu remets 1000 tours, on met le transpondeur sur off, sur halt, donc tu as l'altitude, voilà. Ouais. Et après quand on sera en l'air, on passera sur 70, ouais. Puis d'appuyer là-dessus, okay. Voilà. Là, je veux dire qu'on est prêt au départ, on est prêt au départ.
Fox Hotel depuis Fox, aligné Bou 28, autorisé décollage, vent 290 degrés d'ineux, viré à gauche, rappelé en sortie CTR au sud. Ouais, rappelé en sortie CTR au sud de Fox Hotel. Alors, il est où là? Qu'est-ce que tu cherches, hein? Le front park, t'avais dû le mettre, non? Non, on l'a pas mis, il est là, c'est comme une bagnole, on le met pas parce que tel truc, le câblage, il pète, c'est le câble de vélo, et alors... D'accord. Bon, il y en a quatre pattes dessous, alors c'est pas le bordel. Ouais. Bon, c'est verrouillé, c'est fermé. Tout le monde est attaché. Ça a l'air de l'être. Hein. Allez, c'est parti. Alors, vitesse de rotation 75. Voilà. Alors, tu rentres bien. Tu vois la ligne jaune que tu as là, c'est pas pour rentrer, c'est pour sortir. D'accord. On rentre à plein. Pour une fois, je vais faire un chemin de rentre. Tu mets bien en face. Voilà. Voilà. Ah, tu fais le bec. Voilà. Alors, on vérifie le cap. Là, on est sur 278 à peu près. C'est ce qu'il faut. On a la température, on a la pression. Tu mets plein pot. Avance doucement. Voilà. Tu lâches. On a 2400 tours. Allez, c'est parti. Tu mets un peu de pied à droite, doucement. Talon plancher. Voilà, et pour plancher, tu mets le pied à droite, tu le gardes, comme ça, tu le... Vadeur actif, pas d'alarme. Voilà, tu bouges pas, c'est bon, c'est plein pot, non, garde plein pot. Voilà. 60. Tu planches à droite, voilà, tu le gardes. 60, 65, 70. 70, 75. Allez hop, on freine les roues, tu freines les roues. Tu freines les roues, en haut. Voilà, attends, voir. Ouais, voilà. Il décolle tout seul, là, c'est truisé ce truc. Voilà. Et là tu gardes comme ça, tu montes. Alors la vitesse de montée c'est 80 mph, voilà. Alors tu restes dans l'axe. Voilà, t'as dit. Voilà. Combien de mph? Pardon? Combien de montants vite en montée initiale? Combien? 80, tu mets pour la montée initiale. Donc on est clair pour partir, allez vas-y tu vires à gauche. D'accord. Vas-y. Vas-y tu vires, tu mets un peu de pied à gauche, voilà. Et tu gardes, tu montes à 300, voilà, 80 mph. Alors on est parti, il est... Ouais, je te ouais. Tu continues à virer. Alors Sierra Fox, c'est le patelin que tu as là-bas. D'accord. Voilà, tu mets le cap dessus, tu vas tout droit. Voilà. Et puis garage, on le voit, commence à le voir. Tu vois là-bas au fond, la plan circonflexe que tu as, la montagne qui est là-bas. Ouais. Mais c'est plus garage. D'accord, ouais, c'est ce que je vous disais. Voilà. Bon, j'éteins le phare. Voilà. Alors on a dit à 0,2. Ah, et le trim alors il est où là? Yeah, celui-là là. Bon, les phares éteints, le trompe démarre, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez. Voilà, 2500 tours. 1500 pieds. Voilà, continue à monter. Non, plus garage, mais tu mets le cap dessus, hein, parce que d'accord, tu vas y aller là-bas. Okay. Et l'envers le voit là-bas au fond. Hop. Terminé. Montée normale, maintenant on est à combien? 90? Hein? Montée normale, 90? La vitesse? Ouais. Ouais, 100. 100 mph. Ouais. 100, 110. Tu mets, tu gardes 2450 tours, et c'est bon. D'accord. Ah, tu restes comme ça, c'est bon, là, ouais, des... ouais. Ah, il a un bon vanaf, enfin un bon vario, je veux dire. Ouais, là, 700 pieds, 700, 800 pieds vario. Ouais. Ça va, Nicolas? Impeccable. Donc là, on est dans l'arrière 46. Ouais, c'est bon. Oui, donc j'avais regardé, effectivement, voilà, pas voilà. D'activité non, avant non. Lundi. Bel éclairage, hein. Donc du garage, il culmine à 4000 pieds. Voilà, donc la machine, c'est là où il y a des pots. Le garage c'est une montagne qui s'est renversée. Dans les strates les plus vieilles, elles sont en haut.
les plus jeunes, elles sont pas en bas. Une montagne qui s'est retournée. Et du mal à t'entendre, moi, quand même. Vas-y. Non, là, c'est pas que tu règles ton truc. Non, mais il a fond, justement. Ah bon. Mais quand tu as réglé ton truc, là, ouais. Ça a baissé le son. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. C'est une montagne qui s'est renversée. Ouais. Les strates les plus vieilles, elles devraient être en bas, elles sont en haut. Et les plus jeunes, elles sont en bas. Ah bon? Et c'est là où il y avait les fameux trucs, là, Spielberg, là, son truc, là. Ouais. Son film, là, comment ça s'appelle, avec les secoupes, par les secoupes, là, le troisième type, là, c'est le film. Non. Ouais, c'est inspiré de ça, d'ici. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Tu peux reprendre? Ouais, je vais baisser le volume. Parce qu'on va pas avoir beaucoup de trafic radio, j'ai l'impression. Et par contre, à l'intérieur, ça sera quand même plus important de... Voilà. Parce que là, j'ai vraiment du mal. Alors. Ah, Fox Hotel, on passe aussi à Fox, tout à l'heure. Ouais, c'est bon, t'as levé le son, là. Alors, tu l'avais rendu là, peut-être. Ouais, alors. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, dis-moi ouais. Quelque chose. Ouais, c'est bon. Voilà, dis-moi quelque chose pour t'entendre. Voilà. Voilà. C'est bon. Tu m'entends, Nicolas? J'entends mal derrière. Hein. Ah, t'entends ouais. Mal derrière. Ouais, j'entends mal. Parce que moi, maintenant... Vas-y, Jean-Claude. Bah ouais, ça, ouais, c'est bon. Tu m'entends bien? Tu m'entends là, toi? Ah ben mieux, ouais. Ouais, ben ça va mieux, ouais. D'accord. Voilà. Donc, okay. Voilà, t'as le garage là-bas. Ok, nickel. Donc on a Limoux qui est là-bas. Ouais. Voilà, ça c'est... Attends, lequel c'est celui-là? Non, pour moi c'est l'autre, hein. Voilà. Voilà, tu rassures, hein. Après là-bas, tu as machin Rennes-le-Château avec la Bessonnière. D'accord. C'est après, hein, c'est par contre, avec les Rennes, je ne sais pas si on va y aller. Par contre. Bon, on verra bien, hein, ouais, ouais. D'accord. Ah ouais, ok. Donc là, on est dans les 4000, en fait, là, au niveau des nuages, là. Voilà, on a encore la place. Ouais, bon, ah, oui. On va voir, hein, donc. Oui, bah oui. Après, ça va être, on verra bien. Bon. Et là, on ira voir autre chose, hein, c'est pas grave. Hein. Bah oui, oui. L'avantage, c'est qu'on n'a pas chaud. On peut régler là, hein. À la prise d'air extérieure. Hein. Ah, c'est magnifique. 25. Ah, ouais, 25. Là on va être à 250, donc là on va passer sur la VHF2, là on va être à 250, c'est Toulouse un peu, donc on va les prendre en écoute. Dans les ouais, là on est plutôt avec Montpellier par ici. On écoute, on est en... Ah c'est pas qu'on est plutôt, c'est qu'on est avec Montpellier. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore. Non, non. D'accord. J'ai vu que la ligne elle était quasi verticale. Ouais, tu l'as là, la ligne, donc... D'accord. De toute façon, Montpellier, ils vont pas le prendre. Donc c'est 30... C'est merde. Ah putain, 136-125. Ah ouais, 136-625, ouais. Voilà, 4000 pieds. D'accord, ouais, donc là, les visibilités, comme ça, c'est pas terrible, hein. Ah, tant que c'est bon, ça va. En longueur. 136. Hein. 125. On écoute, on est sur la VHF2. 123.5, c'est après le truc qui va vers plus vert. Bah, tu restes comme ça, on soit plus haut. Ok. Montpellier Info, Fox 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 Fox
répondeur 5441, Fox Québec Oscar. La phase de montagne, donc, il était inspiré d'ici.
D'accord. Ah, il est beau, dis donc, hein. C'est une belle montagne, là. Alors, ensuite, pour aller sur Kérybus, c'est un 090, non, alors, vers Bugarache, un 097 vers Kérybus. Voilà, tu l'as là, même si tu fais 80, c'est bon. Ah oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée, c'est aller vers Kérybus, l'enrouler par la gauche, puisqu'on regarde par la gauche, vers Opertus, et ensuite venir enrouler Kérybus. Tu prends le château de Kérybus. Ouais. Et tu vires par la gauche, c'est prends ça, la chapeau de Pertuse, et la Pertuse, voilà. Tout à fait. Et donc la gauche, bah, tu prends la 481. Bugarache. Voilà, t'as Bugarache. Alors c'est Bugarache ou Bugarac? On est Bugarache. Bugarache. Voilà. Allez, personne dessus. Et c'est magnifique. Par contre, par là-bas, ça m'étonnerait qu'on puisse y aller. Ouais. Sinon, on passera par là. Hein. D'accord. On ira essayer de voir si on peut passer sur... pour aller vers là. Voilà. Bon, y a personne, hein. Voilà. Allez hop, on vire à gauche, hein. Voilà. Ouais, là-bas, ça passera pas. On vous prend fort là-bas. Voilà, donc c'est pas la vallée, hein. Ouais. Alors, 097. D'accord. Donc en fait, là, on a la vallée avec Saint-Codiès et Saint-Paul là-bas. Voilà. Et en même temps, on va redescendre. Ouais, car on va aller chercher. Ça, après, tu vas aller chercher le château, tu vois, mais sans se la crête, tout le temps. On va rester comme ça, on verra après dessus, ouais. Ah, tu peux virer encore, enfin, tu entoures là, celui-là là. Ouais. Là. Et tu vas droit là-bas, là, c'est là où c'est blanc. Là. Ouais. Alors on est sur du 105, 102 là. Voilà. Ils mettent à 1450 tours. Voilà. Donc là on va commencer un petit peu à descendre, à perdre le pied. Ouais. La bille, tout est dans le vert. Et on est passé à 16 ans. Voilà. Et là, c'est à 5 minutes de Kérybus. Donc là, cette année, on avait du vent un peu arrière, un secteur ouest-sud-ouest, ouest-nord-ouest. Mais après, là, il change, parce que tu vois, les éoliennes, elles ne tournent pas beaucoup. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah, il y en a un petit peu là aussi. Alors j'ai dit qu'on descendait un peu, voilà on descend. Donc et là derrière à gauche quelque part il y a les gorges de Galabus. C'est ça. On y était il y a même pas une semaine. Voilà, tiens pour le machin là, la montagne qui est là. Et ils sont là-bas sur la crête côté au fond là-bas. Donc il y avait 5 minutes là, ouais. Ah t'as 4 minutes de Galabus. Celle qui est sur la gauche, ouais. D'accord. Et Pertuse, il est dans l'autre vallée. Alors, je m'étais dit
3300 max, on est 3200. Ah, faut faire gaffe parce qu'il y a souvent des mecs en parapente. D'accord. Qui tournent là. Ok. Bon, ici ils ont des voiles rouges, hein, mais... Voilà. Ah, c'est celui qu'on voit à gauche là. Voilà. Légèrement plus clair que la paroi. Oui, c'est ça. D'accord. Il est plus petit que ça, c'est Kirbus, c'est pas une perteuse, il est tout le temps long. D'accord. Bon, il devait communiquer entre les deux. Hein. Voilà. Ça c'est Kiribus. Le porteuse il est plus par là-bas, donc on va passer dans la vallée. On va faire derrière et on va aller. Tu fais le tour par là-bas. Ouais. Alors on va faire finir le pont. Ah oui. Voilà. Ah oui, on voit bien là-bas. Ouais. En fait, ce qu'on voit en arrière-plan, c'est la mer en fait. Voilà. Ok. Joli. Ouais, mais t'as mis en 2450 tours. Voilà, donc t'as le château de Kiribus. Donc là, on fait gaffe à ne pas être trop près pour éviter les parois éventuellement. Voilà. Et de Kiribus, là, oui, il est sacrément perché quand même. Hein. Ah ouais. Et alors, runner 804X direct to the Runner, thank you much, runner 804X. Ah ouais, joli. Voilà, et là tu prends en gros le cap 300. D'accord. Il est arrivé sur le vol hier. Ah, tu l'as là-bas. Dans la crête. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est marrant les trucs que tu as, ça fait toi des... Ah ouais. Sacrée structure géologique, dis donc là. C'est plus rapide de venir en avion qu'en voiture ici. Ah ouais, bah toi il y a du monde quand même sur le parking. Ouais. Voilà, et ça c'est Cucugnan. Donc ici aussi, alors il y a une toute petite montée là pour venir. Voilà, ça qu'elle est c'est rien passe. Du tout là. Kiribus s'en face, ben, tout sur la ah, ligne là. D'accord. Donc je vais le mettre sur sa droite en fait. Voilà. Joli là. D'accord, oui, donc c'est une belle ruine aussi. Donc 3000 pieds, on est toujours long. Je crois que pour quitter la fréquence et écouter là-dessus. Je suis un peu de fréquence, on va faire. Ce qu'on dit toujours, mais c'est tellement vrai, c'est que voler au-dessus des reliefs, ça n'a vraiment rien à voir avec le vol de plaine. Ça c'est... Ben, il faut faire gaffe parce que tu as souvent des rabattants, t'as des machins, t'as des... Après oui, c'est ça, faut ça faire, voilà. Faut faire un... Runner 804, we'd like to descend if possible. Runner 804, descend 5000 feet, sorry, 6000 feet, 1018.
1000 feet, 121, 2805. Donc c'est la grosse coupure au milieu là. Ah, là, c'est pour le château là, c'est tout ça là. D'accord. À 3000. Voilà. Regarde, tu gardes le régime comme ça. Voilà, là, t'as tout le château qui est là, t'es tout le temps là, tu vois, sur la crête. D'accord. Et on le voit bien maintenant là, ouais. Il n'y a rien aux environs. Non. Personne. Bon. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est trop long. D'accord. Et devant, on a de nouveau du garage. Voilà. Voilà. Donc si on enroule, on va juste sur Galamus qui est derrière là. Alors le tout c'est de savoir. Il y avait sommé la 3000... 100 et quelques, 160 je crois. Ouais, ben là-bas on va. Et c'est juste derrière Galamus en fait. Ouais. Et là, si tu vas tout droit, tu vas aller sur le château de Pilorance. Ben voilà. En fait, il faut se remettre un peu dans la vallée quand même. Et ensuite la suivre plein ouest. Alors, on reste comme ça, c'est bon. Alors, où est-ce qu'elle est l'entrée de la gorge là? Ah oui, ça doit être juste derrière là. Ah, ou alors c'est même ce qu'on a à gauche là. En Galamus, c'est ce qu'on a à gauche. Gauche. On y va, on fait un peu virage. Sécurité, on est assez au-devant hein. Alors, face à gauche, face à droite. Alors, c'est pas à gauche, c'était à droite. Ah ouais, c'est voilà. Ça, ils sont là alors. Ouais, c'est ça, ah, on voit le parking en dessous. Donc, je vais aller à droite, voilà. Et on enroule à gauche. Nicolas ? Ah ouais. C'est beau hein ?
Et là, effectivement, l'aile bas, l'aile haute, avantage à 200%, quoi. Voilà, voilà, route, ok. On est bien au-dessus de la montagne, ouais. Tout va bien. Donc là, il y a à peu près un kilomètre et demi de route. Ouais. Voilà, et en dessous on a un herbitage, tiens, qu'on voit bien juste là à gauche. Ouais, ouais. Tu peux y descendre depuis la route en fait. Ah ouais, on voit. Et après derrière tu remontes sur le parking. Ouais. Et voilà pour Galalus, on l'a vu. Personne à droite dans la montagne. Ah, le mec il a une yourte là, tu regardes là en dessous. Et quoi? À droite, une yourte. Ah bon? Ouais. Voilà. Il y en a un canon dans le coin là. Ok, on en sort, il est 31 là. Alors, Pylorens culmine à 2500 pieds. C'est pas tout droit. Moi j'avais noté un 3500. Sachant que les vallées aux environs derrière. Et des 3300 aussi, donc Ah, ça doit être comme ça, c'est bon. Voilà. Ah, château de Villeran, il y a 4000. Donc en allant tout droit, voilà, on va la voir sur la gauche. Là-bas derrière, c'est un peu, ça devient litigieux là-bas. De quelque chose. Ah, je te dirai pas, je l'ai pas marqué. Et derrière là-bas, ouais, je reconnais, c'est là-bas. Ah, ouais. Et j'ai oublié le nom du patelin, mais on a un viaduc, les caractéristiques. Voilà, 3005, ça me va. Là, on voit plus le rang à gauche là. Ah, ouais. Tu le vois, Nicolas? Puis Laurent, à gauche, t'as le village avec un viaduc. Et juste à gauche qui est perché, t'as le château. Ah, 3005. Donc Bugarac à droite. Toujours Bugarac. En toute sa splendeur. C'est ça qui souffle, d'accord. Ah, tu le tournes. Le ou tu l'enfonces hein, carrément, hein, si tu vois pas de l'air. Hein. Enfonce-le. D'accord, ok. Ah, il en enfonce. Voilà, tu l'enfonces. Voilà. C'est bon. Bon. D'accord. Ok, stable 3005. Hein. Le viaduc là? Ah, t'as le chapeau que j'ai sur celui-là. Ah, tu montes un peu parce que si j'avais un air abattant, ça passe quoi. Hein. Ah, d'accord. Et là, on va droit sur Axat. Tu le vois, Nicolas? Il est là. Juste à gauche, là, ouais. La caméra filme toujours.
Ah, c'est bon, ça peut. Toujours avoir un peu d'eau sous la fille, comme on dirait l'autre. Regarde, il y a le train rouge en dessous là. Ah ouais, c'est bien. Ça va pas? Ça va pas? T'as chaud? Un petit peu chaud derrière. T'as chaud là, voilà. Ça va bien là? Montpellier de Fox Sierra Yankee, bonjour. T'as vu à gauche? Fox Sierra Yankee, bonjour, rappel pour retour sur Sébastien. Alors on part de Perpignan pour un vol sur la côte, on va descendre direction Papa Charlie, 1200 pieds. Alors je passe ici, on va monter là-bas. Voilà. D'accord. Je vais juste passer ici pour qu'on voit le cirque qui est pas loin, qui est à portée d'œil. C'est bon? Il est en oblique là, il est juste là. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Voilà, cirque de Lys. C'est magnifique en fait. Ça te fait des structures rocheuses qui a... Enfin, il y a 300 mètres facile. Hein. Ouais. Donc Quillan qui est derrière. Ouais. Ah, on va droit sur Esperanza là. Ouais. Et t'as Quillan qui est en fait sur route là-bas, Charlotte. Quoique, non, peut-être pas. Non, t'as Quillan là, quand même. Ouais. Ok, 4000, pas besoin d'aller plus haut. Oh, c'est bon. Là-bas au fond, on peut voir le lac de Montbel. Ouais, voilà, c'est celui qu'on voit là. 54-40, c'est ça là. Le château qui est là. Hein, le château, ça s'appelle ça. Ah, quoi que. Ça, c'est le château d'Arc. Alors, si, ça doit être ça. Et celui château d'Arc. Non, ouais. Il est plus loin. C'est là qui est à droite là-bas. Ouais, qui est juste devant nous là. Ouais, ouais. D'accord, c'est pas le château d'Arc, j'en sais rien. Non, non, ça, c'est Raid le château, ça. Raid le château, je vais pas ouais, le dire. On y était passé, non, là, on est passé au-dessus là. Ah ben c'est pas de bol, on est juste au-dessus, il y a des jolis sacs, on fait des jolis sacs. Le château là au-dessus. Ça c'est Raid de Château ça, ouais. Voilà. Ok, 3500. Donc campagne sur haut est à gauche. Puisa, voilà. Non, campagne est à gauche, et là c'est votre Puisa, vous deux, ouais. Là c'est quoi, c'est Rava et Puisa en fait. Alors les éoliennes c'est celle-là.
Château d'Arc, il est par là-bas. Ouais, il est à droite par là-bas, ouais. Le château qui passe vertical là. Ah c'est ça. Donc il y a une, il y a un château, il y a une tour un peu caractéristique. On n'est pas, on n'a pas été les voir. La tour Magdalena, je sais pas, elle s'appelle. Ça va Nicolas? Ouais, il a récupéré un peu. D'accord. Donc si ça c'est Rennes le château, là c'est Cuisa à gauche effectivement. Voilà. On a une belle route qui monte. Hein. Ça va, t'es bon, faut continuer ou pas? Je peux toujours aller voir le château de terre, ben, il est par là-bas. Il y a la baie de... Okay. Ça s'appelle... La baie de la Grâce. On passe par là-bas alors? Ouais, c'est sûr. Bon, c'est comme tu veux, tu verras. Ah oui, bah, c'est bien. Nicolas, tu vas bien? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, merci. Ok. Allez, bah, tu prends la vallée là. Cuisa, alors hier on était juste en dessous hier là. Ah ouais, c'est bon. Il y a un truc qui s'appelle les capitelles. Les capitelles, bah, c'est les petites... C'est ça, voilà. Des calutes en pierre. Ouais, moi j'en ai une chez moi. Ah oui. Et tu veux les voir les capitelles, il faut aller plus vers de l'autre côté de... Vers Ventonac, tout ça, de l'autre côté de... Par rapport à Carcassonne au nord. D'accord. Là on va passer droit sur le château d'Arc. Hein. Là, on château voit, devant, là. On la voit la tour, tu la vois? Voilà. Voilà, tu restes comme ça, puis on va aller sur le château de Terme. Donc là on passe au-dessus d'un village qui s'appelle Cassaigne, on y était hier. C'est mieux, 3000 pieds, c'est bien. Pour voir quand c'est accroché, là, tu peux passer par là, quand c'est accroché au-dessus, là, dans la vallée. Là. Ah. Montpellier, bonjour. Ouais, Montpellier nous agace. Allez, on va sur la une. Donc, du garage, hein. Toujours là. Toujours. T'as du garage et le pic de noir, hein. Tu peux pas te perdre ici. Ah oui, mais sauf que ouais, il est dans les montagnes noires. Voilà. Bah on l'a là-bas au pont. Hein. Merde, t'as le même truc, il est là lui. Bon, c'est la partie là, derrière les éoliennes là. Non, non, tout à fait au fond là, le pic de noir, c'est la montagne que tu as à 3h à 9h là, voilà. Là-haut, tout à fait en haut, là, voilà. D'accord. Donc on a le château d'Arc juste en dessous. Voilà, et tu continues comme ça. Je suis, voilà. Voilà. Attends, faut que tu vires à toi à gauche. Ça va laisser un château de... Ouais. On va remonter un petit peu peut-être, non? Hein? Remonter un petit peu de 500 pieds? Je crois que tu veux, ouais. Après, je sais pas, je connais pas les hauteurs. Non, non, c'est bon, voilà. C'est bon? Ok. Donc, ouais. Donc c'est une tour, en fait. Enfin, c'est un donjon. Dans le château d'Arc, ouais, c'est une tour, c'est tout. Là ça va, là. Après si c'est accroché c'est sur vraiment la, derrière, sur là-bas, Pyrénées. C'est sur les Pyrénées quoi. Ouais. Un volant là-haut là, il ouais. Ouais, y en avait quelques-uns là. Ouais, ah, ça va. Ah, ils sont pas en patrouille mais... Oh, ouais. L'ascendance alors ici. Ah ça passe toujours un peu. Exact. Ah ça va. C'est pour ça qu'ils sont là, ils sont dans les pompes. Hein. Peut-être un peu de rabattant aussi. D'accord, donc là c'est la partie est. Donc là je découvre, pour le coup je connais pas du tout. Ouais. T'as la montagne d'Alaric qui est là-bas quoi. La montagne comment? D'Alaric. Quand tu vas de Carcassonne ou quand tu vas sur Narbonne. Ah, d'accord. C'est là où ça avait cramé et tout. Là. Ah, je me rappelle pas de ça. Ah, tu restes comme ça. C'est Narbonne qu'on voit là-bas alors? Au fond, non, tu ne vois pas toujours plus par là-bas. Mais on voit pas le Mont Saint-Clair de...
Bon, parce que toi, peut-être à carrière là, au bon visite, tu vois jusqu'à machin, hein, tu vois. Parce que jusqu'à Montpellier, hein. Ah ben là, ouais. Un tas de jolis reliefs par ici avec des belles falaises là. Ah, il faut des parapentes, hein, des machins. Hein. Ouais. Ah, regarde, il y a une espèce de dôme qui est formée là-bas, c'est ouais, quoi ouais. Là, sur la ligne d'horizon. Ouais, là, ouais. Je sais pas ce que c'est ça. Ah ben, c'est le château qui est là. Ouais, là-bas, ouais, ouais, le premier plan là, c'est ouais. C'est pas le château de ferme, ça c'est notre château, c'est la... Ouais. Sur la ferme, elle est plus loin. Parce que là, ça doit être Pertus qui est là. Où? Et juste là, à droite, là? Là, non, 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 pas à droite, c'est de l'autre côté, à, hein. À deux heures. Ouais, non, c'est beaucoup plus loin. Hein. Ah, la Brouffoie, tout ça, là. Oui, oui, de l'autre côté, là-bas. Oui, oui. Ouais, ouais. Il y a les montagnes, là, derrière, il y a au milieu, ça fait, on dirait Pertus, et puis derrière, il y a encore la ligne de crête, quoi. Gorge à gauche. Et vers où alors le château? Hein? Tu parlais d'un château tout à l'heure? Le château de Terre, ben. Ouais. Il y a 2 minutes encore. Mais ici, t'as pas intérêt à avoir oublié le sel, hein? Faire les courses. Il y en a des anti-surfaces par ici. Du côté de vers Saint-Gaudens, tout ça là. Hein. Ouais. Ouais. Donc ils sont plutôt par là-bas alors. Ouais, ouais, de l'autre côté là-bas, ouais. Non, on devait y aller, on devait aller à... comment il s'appelle de nouveau. Au sud de Luchon. Ouais. Enfin au sud, au nord de Luchon. Non, au sud, ça s'appelle... Bagnères de Luchon là-bas. Ouais, c'est le terrain de... là où ils ont tourné à... un machin, un concert de James Bond là. Et ah, ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. Ah, château de ferme, normalement, on devrait pas faire les tabacs à gauche. Ah, c'est voilà, celui-là là. Voilà. D'accord, ok. De là, tu vois à gauche hein. À 10h. Bah il est con à courir parce qu'il est... il se compond hein, dans le truc. Bah, enfin, j'ai un peu de terre là. Ouais. Notre structure en face là-bas, où là. Voilà, ça fait un peu de terre là, qui est là. Ah, il est pas mal celui-là aussi, hein. Et si tu continues tout droit, là-bas t'as l'abbaye de la Grasse. D'accord. Il a été raboté un peu quand même. Ouais. Il reste plus ou presque que les formations. Ouais. Bah, si tu continues là-bas, t'as le terrain de Lézignan là-bas. D'accord. Ok, donc là par contre, là, on revient sur la plaine en fait. Voilà, on revient derrière, là, c'est la montagne de la Ré qui est derrière, de retombe sur la vallée. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. D'accord, et la vallée, elle est là-bas. Voilà. Et ça, le pic de Nord qui est là-bas à 10h. Hein. Ok, voilà. C'est celui qui est au fond là-bas. Là-bas au fond, hein. D'accord. Et de l'autre côté, quand tu passes, tu tombes sur la vallée de, qui va à Castres, Mazamet, quoi. Ouais. D'accord. Voilà, donc l'abbaye de la Grasse, on la voit, là, c'est juste à l'entrée du vent, là-bas, voilà. Donc là, il peut choper aussi, parce que souvent, tu as des parachutages sur les Lézignan, donc ils passent par là, donc. D'accord. Mais ils montent plus haut, ouais. Et à Lézignan, t'as une tour, c'est avec un ventilateur, tout ça. Et le mec qui s'entraîne pour les parachutistes, c'est la chute libre. Ah, il y a une tour de saut, en fait. Ouais. Donc, c'est avec un gros ventilateur. Ah oui, d'accord, ok.
J'aimerais bien essayer ça une fois. Ah, pour rigoler. Hein, c'est... Moi, j'ai 90 euros de billet ou un truc comme ça. Ouais. Oh, ça va coûter un bras. Ah, c'est pas très cher alors. Voilà, c'est maintenant, voilà, on a payé la grâce. Ouais, hein. Ouais. Là aussi c'est pareil, hein, ça un peu tortueux, des petites gorges. Hein. Voilà. Tu nous entends mieux Nicolas ou pas? Ça va mieux? Ouais, ça va, nickel. Ça va. Bon. Nickel? Ouais. Bon, ça va, parfait. Et tu nous entends bien maintenant? J'entends, enfin ça dépend par moment en fait. Ah. Tu veux faire, tu veux traverser, tu veux aller voir les châteaux de la Tour. Bah écoute, ah, c'est toi. Ah oui, oui, oui. Nicolas, t'es partant? Oui, je vous suis de toute façon. Voilà, bon, tu prends le cap. T'es sûr? Voilà, prends, oui, oui. Moi aussi. Tu prends le cap là-bas. On va juste enrouler celle-ci pour bien la voir là. Veux, voilà. Mais quand c'est tes Carcassonne, il faut alors qu'on va couper vers... Voilà, vers le Sierra Machin, le Réco Sierra. Voilà. Carcassonne, la Fox Golf Echo, Fox Hotel, bonjour. Tout à l'heure. Oui, on est vers l'abbaye de la Grâce pour couper les axes pour aller vers le château de Massot. Fox Hotel, croise les axes et rappelez axes libérés. Oui, rappelez axes libérés, Fox Hotel. Ah, je pensais pas qu'on était déjà au-dessus, moi, de chez nous. Je pensais pas qu'on était si proche du terrain, en fait. Non, non, parce que t'as prêt à faire les axes parce que la... Ah oui, d'accord, par rapport à... Carcassonne, c'est la bonne. Ah, hein. D'accord, ok, ça me rassure. Mais comme il y a les machins, la Ryanair, tout ça, ils sont obligés de passer par là, donc... D'accord. Et ils sont, on est limité à 3500 pieds, donc il faut qu'on soit en 3500 pieds ouais. Pour pouvoir traverser. Quoi. D'accord, ok. Ouais, comme ça, ils savent et voilà. Nous, on sait aussi. Mais ta Carcassonne, tu le vois, on le voit là-bas au pont, hein. Oui, d'accord. Donc tu prends le cap de voilà, tu viens par la gauche. D'accord. Tu vois, on voit où ça avait cramé là, là-bas, tu vois la montagne, le pelé là, ouais. Ça avait cramé il n'y a pas longtemps. Hein, là. Un mec, c'était parti de l'autoroute, un mec qui avait balancé un mégot. Ah, et... c'était ça. Ah, ouais, ah, ouais, d'accord, ouais, c'était ouais, là, ouais. Ok. Ah oui. Ah, tu vois, là, ça avait recramé aussi, là, tu vois. Là. Ouais. Et là, t'as l'autoroute là, qui passe. Ça cramé là, ça avait cramé là-bas. T'as... Donc c'est sûr, ils ont identifié l'origine alors. Un mégot, il faut l'avoir. Ouais, un mégot là, parce que ça cramait de part et d'autre de l'autoroute alors. Ah. Ça a traversé, alors, il avait tout coupé alors. Alors, Tu vois les temps là-bas, ça c'est les temps de joueur qu'on appelle. Tu vois la Minerve, tu prends le cap nord et tu passes sur Minerve. D'accord. Bon, tu prends par là, c'est bon là, voilà. Parce qu'après là, t'as les châteaux de la Sour, t'as beaucoup contre le cap Respin, donc ou dans ce côté-là de la montagne noire. D'accord. Et ici, il y a toujours autant de vignes. Hein. Là, on est vraiment dans le pays de vignes, là. Ça, c'est le Minervois. De l'autre côté, c'est... là-bas, c'était la Malepère. Là, de ce côté-là, c'est le... Non, ça, c'est le Minervois, je veux dire. Ouais, dire voilà, Minervois, voilà. Et là, c'est le Cordière, le Fitou. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et, merde, arrête pas de jouer. Ah, il est, ouais, 55, ouais, ça fait 55 minutes. Ça fait à peine une heure de... Voilà, de ça fait pour aller là-bas, là. Après, ouais. C'est toujours un recours pour aller là, c'est toujours enfin, on va faire par le sud, comme ça, on roulera la cité ouais. Par la gauche. D'accord. Parce okay. Que sinon, tu, on va faire une vente arrière face ouais. Au nord, ça... Ouais. Tu verras pas la cité, quoi. Ouais. Ça avait cramé bien là. Ah, quand avait, même, il y avait les deux dash, il y avait huit Canadair qui étaient sur ouais. La zone là. Donc là ils étaient venus à Carcassonne pour approvisionner quoi. Ah mais les Canadair ils allaient en mer récupérer la flotte. Hein. Ouais.
à l'autoroute. Voilà, tu prends 30 degrés gauche. Ah, ok, ouais, on voit bien la ville là-bas. Voilà, ouais. Voilà, ça reste comme ça, c'est bon. On a le pic de Nord là-bas. Et après, de l'autre côté, tu vas vers l'Argelier, tout ça, mais ça fait... T'as les eaux minérales, comment ça s'appelle, merde. C'est la Salvetta. D'accord. Après là, c'est joli aussi, après. Enfin, tu vas vers Millau, tout ça, là-bas. Oui, c'est ce que j'allais dire, après, derrière, on va tomber dans les Cévennes. Là, tu vas dans les Cévennes, ouais. Millau, c'est où? C'est par là-bas, non? Ouais, Millau, c'est par là-bas. Ouais. Bah, t'as 40 minutes, hein, là. Ouais. Bon, le pont de Millau. Oui, forcément. Et après, t'as Millau, après t'es à Mambre. Ouais. Mambre, c'est pareil, t'as intérêt. C'est là où ils ont tourné la grande vadrouille. Ouais. Il part en planeur, c'est là-bas qu'il avait tourné. Bah, c'est l'an dernier avec le même ami pilote. Enfin, on était deux avions, même. On a fait un tour des Cévennes, on est parti d'Avignon. Forcément, à l'Est. Enfin pas tout à fait à l'Est, mais au sud d'Alès. On a contourné par le sud, on est allé se poser à Mende. Ouais. On a mangé, et après on a inversé les équipages, enfin bref. Ouais. Et on est reparti par le nord, direction Avignon. Voilà, là-bas t'as Rieux, Minervois, t'as Rieux, voilà, Écolonvent, c'est là. Là c'est Cône, Minervois. Ouais. Là t'as des carrières de marbre. Le château de Versailles, il vient de là. Ah ouais. Marbre rouge rosé, là, vient de là. D'accord. Ça va voir que ça fait, on a coupé les axes, on arrive à 2 minutes dès qu'on va en vers la source. Bien reçu, je te rappelle moi pour indiquer le circuit. Oui, on prend un circuit par le sud, on recoupera les axes vers la Cavalière pour faire un circuit pour un dernier virage pour retrouver la cité. Bon, après la montagne, le vol de plaine. Voilà. Avant d'être à nouveau dans la montagne. Là, souvent, ça fait cool là-bas. L'année prochaine, il est probable qu'on vienne en vacances par ici. Ah ouais. Oh ben. Ah, parce que t'es un arbre, on a qui est pas loin, là, tu vas voir. Ouais. Donc, un arbre, t'as le machin, il s'appelle le... Oh putain, le hibou, c'est une résurgence de la mer, c'est un rond que, je sais pas, moi, ça doit faire à peu près 50 mètres de truc. Et c'est vachement profond, c'est ah bon dans le milieu de la montagne, boum, t'as une résurgence de la D'accord, de la je mer. Connais pas ça. Le hibou, ça fait c'est à Saint-Pierre-la-Mer. D'accord. On voit t'as un machin qu'on a mis en voie avec les carrières qui sont en face là-dedans. Les barres sont dans la montagne, juste comme ça. Voilà. Donc tu prends, tu vois les ailes, les panneaux solaires là-bas, qui va dessus là-bas. Ouais, bon, enfin, c'est le lac, c'est les panneaux solaires. D'accord. Voilà, tu vas, tu divises entre les deux là, comme ça là, et on va tomber sur le château de Vassour. D'accord. Il y a toujours le pratique de Nord qui est là-bas. De l'autre côté du pic de Nord, il y a une croix qui est dans la forêt. Ouais. Et c'est là où il y avait, comment il s'appelle, Saint-Exupéry, il y a un avion qui s'était planté, Saint-Exupéry qui a récupéré les mecs sur ses épaules et qui descendait dans la vallée. Ah bon? Ouais. Ah ben, c'était un avion qui était modifié, qui était pour le vol sans visibilité, mais c'était pas trop au point parce qu'ils ont percuté. Rieux Minervois et Cône Minervois. Alors c'est un village qui est tout en long. Ouais. Et c'est un point d'entrée de chez nous, ça pour rentrer sur Carcassonne. D'accord. Bon, on va voir Charlie là-bas qui est contre. Là. Alors attends, tout à l'heure je l'avais repéré. Oui, c'est le terrain qu'on voit à gauche là-bas. Là-bas au fond, ouais. D'accord.
Bah, ça fait quand même une surface assez importante. Bon, à peu près. Tu vois la voie, t'as les carrières là-bas. Ouais. Voilà, les carrières de Barrois. Et là, que tu prends la rivière qui est dans la vallée, là, elle... C'est que des Barrois. La rivière, elle coule dans des Barrois. Ah, ça c'est comme la Minervois. C'est marrant parce que vu d'ici, on aurait l'impression qu'il y a une structure, il y a quelque chose, mais en fait, non, c'est que la carrière là-bas. Et là, t'en as encore là, tu vois. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est pareil, là. Ça tombe, là, hein, ça. C'est profond, quoi. Alors, ils nous ont tout massacré avec les éoliennes, non. Le paysage est colossal, on peut la mettre encore d'autres. Elle donne bien alors finalement ou alors C'est la boutaise. Ah bon? Il y en a une sur deux qui n'est pas branchée. Mince. Et puis là, là-bas, il y en a qui manquent de pas, là, il y en a qui vont. Alors après, là, il y a le gouffre de Cabrespine et puis un peu dans la vallée en face, c'est les grottes de Limousine. On va découvrir ça bientôt alors. Ah, c'est joli, c'est à voir le groupe de Cabrespine. Hein. Enfin, il est dans Super. Hein. Ah oui. Alors, ça fait du vallonnement, mais c'est pas tout à fait la même chose que l'autre côté en fait. C'est plus, plus forestier, ça. Ouais. Plus écrasé, il n'y a pas de falaise, il n'y a pas tout ça. C'est les chênes verts que tu as. Ouais. Beaucoup de chênes verts. Ouais, et Montagne Noire, ça va bien droit. Ouais, là, on voit les bagnoles sur le parking, là-bas au pont. Ouais. Ouais, mais le groupe de Gabelspine, c'est là. D'accord. Tu rentres dans la montagne et le groupe, il est... Voilà. D'accord. Continue comme ça, tu feras la vallée, on va tomber sur les châteaux de la tour. Il y a 4 châteaux. Ah, j'ai pas compris là. Voilà, non, on voit les bagnoles qui sont garées là, c'est ouais. Le groupe de Cabrespine. En effet, c'est bien pour tout ce qui vient de près de là. Ben, c'est profond, hein, c'est un gros truc. Hein. Et de l'autre côté, c'est les gorges de Limousine. D'accord. Ah, il y a du monde, il y a des voitures sur le parti. Et là, au château de la Tour, qui est à côté, c'est la mine de Celsigne. C'est une mine d'or qu'il y avait là. C'était exploité jusque là. Les années 60, un peu comme ça. Une mine d'or en France. Et mon père, quand il était jeune, il y a travaillé. Là. Après, comme ça, on va tomber dessus, sur les châteaux de la Tour. Et puis là, on retombe sur la vallée de Mazané-Castres. Tu vois là-bas, ouais. Bon, voilà. Ça attire du monde. Et après t'as plein de barrages là, dans la montagne noire. Les machins, la Prade, la Galope, tout ça. Et après ça s'allait après t'as Saint-Périol, t'as le barrage de Cabas, tout ça s'alimente après le canal des Midi. Par contre, il n'y a pas de doute, on est bien dans le sud, hein. Les garrigues, enfin tout ça, c'est des... C'est des secs. Quand ça tape l'été, là, dis donc, tu cherches l'eau, hein. Voilà, qui reste comme ça, c'est bon. Et on sera dans la vallée d'après. Alors, où est-ce que c'est Carcassonne, ici? Ben, surtout là, là-bas.
à 10h, 9h30. Ça va. D'accord. Et on voit la piste, ouais, pas. Ouais. Pourquoi plus pour avoir l'habitude. Ouais. Voilà. Donc ça c'était la mine, là, je viens vous passer une ouverte, mais après t'avais des derricks et un restaurant par là. D'accord. Et là on va tomber sur les châteaux de la Strouve dans la vallée. Et ils sont là. Tu les vois? Ah, avec 4. Ouais. Ah oui, d'accord, voilà. Oui, ok, ok, ouais. Ah, il est bien celui-là aussi, hein. Il y en a 4. Hein. Ouais. Ah, ils ont pas fait semblant là. Ah, en effet, bon, des sons lumière et tout là, c'est joli. 1, 2, 3, ouais, 4 tours. Impressionnant. Des 4 châteaux différents. Ah oui, ah, effectivement, ouais. Alors, si on va couper par là, on va passer par le sud pour faire une avance arrière sud. Ouais. Comme ça, on entoure la cité par la gauche. Donc, en fait, on va faire comme ça là, et hop, et on refait comme ça, et après on intègre. Enfin, on l'intègre directement par là-bas, par l'avant arrière sud. Ah oui, d'accord. Comme ça, ce qui peut faire, le dernier virage, on le fera un peu large, on pourra faire les photos de la cité si tu veux. Ah, magnifique. Magnifique. Alors, la montagne, voilà, Rick, c'est ça, c'est la montagne que tu as devant là-bas. Ouais. Voilà. Tu restes comme ça. Ok, donc on a le terrain ici, là, juste là. Là-bas. Donc passer par là, on va aller sur le lac de la Cavalière et on va demander une avance arrière sud, comme ça on va. D'accord. Merci Nicolas. Passer nos vents en Charlie, c'est d'entre eux. Là les gens, j'ai pas encore la Ryanair. Voilà. On arrive, on va charger pour couper les axes vers la cavalière. Les axes, rappelez pour intégrer. Rappellerai pour intégrer, parce que c'est... Il va rester comme ça, promis, ouais. Ouais, bah oui. Parce qu'après les circuits, il est à 1500, on va y aller à l'hôpital qui est par là. On se mettra à combien? 2000, 2005? À 1500. Le circuit à 1500, ouais. 1500, ouais. Ah, mais je veux dire, pour la partie contourante, on se mettra à 2000, ouais. 2000, ouais. On va descendre doucement vers 2000, tu l'espères, puis voilà, bon, t'as même pas besoin. On va lui mettre 2004. 2200. Hein. Ouais, on va lui mettre. Bon, on va prendre du balai, c'est pas grave. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est trêve. Ok. Garage là-bas au fond. Ah ouais. En fait, c'est un sacré point de repère. Ah ouais. Bah, c'est vrai qu'il monte hein, comme une tour là. Ça dépend dans quel angle tu le plans. Là, on vient de faire le nord, ça fait un chapeau de scie complexe là, comme ça là. Ouais. Donc là, on a nos hôpitaux, qu'on met toujours un hélico qui est avec. On va prendre en face, c'est bon. Le lac là, oh, il est... Ah, pour faire du ski nautique, c'est un câble. Un câble qui fait du ski nautique, c'est un... Ah, un câble qui tourne là. Voilà. Ah ok, donc la cité elle est là, c'est celle-là. La cité celui-là là-bas, ouais. C'est ça là, voilà. D'accord. Donc une trajectoire. Donc on va faire là, on va aller sur la cavalière.
Ouais, on va aller faire aller vers le lac là-bas, qu'on a le décollage vers Sierra Fox, pour être en vent arrière dans ce sens-là, ouais. Pour pouvoir se poser en entour de la cité. Et 2000 pieds, on les a retrouvés. Bon, comme ça. Bon, ça c'est le canal 2010, alors ça load. Là, ils sont en train de construire un locker là. C'est comme s'il avait passé de supermarché à Carcassonne. Bon, un gros truc là, tu vois là. Ouais. Voilà la travaillère. Alors, à droite là, au machin là, où il y a un parc, enfin, de l'acrobranche, tout ça. Ouais. Tu traverses un bout du lac en tyrolienne et tout là. Ah, excellent ça. Ouais, c'est pas pour les jeter un peu le niveau. Moi, j'y vais avec ma petite fille. Elle est contente. Ouais, elle a 5 ans. Alors on a coupé les axes, c'est pas ce qu'on fait. Donc là j'enroule tranquillement là. Tu vas vers là-bas, tu vas vers le Sierra Fox, et puis on va se mettre en vente arrière. D'accord. On pense là. Alors ça c'est Cavanac, Palaja, Saint-Diac. Là c'est les Roupins qui habitent là quoi. Et là, t'as le machin, t'as des autruches, des kangourous, la bourge là où il y a, sur la droite. Ouais. Là, voilà. T'as tout un parc animalier. D'accord. Ah, on le voit, les machins. Là où t'as tous ces bâtiments là où il y a des voitures sur le parking. T'as des autruches, des kangourous, des. Ben déjà on la voit bien là. Ouais. Ah Nicolas, regarde à droite. Carcassonne, la cité là. Oui. Alors, on va se mettre en vente arrière, puis on va faire le dernier virage pour, le, pour l'entourer. On voit que tu veux passer directement par là, on va la tourner par là. On va venir. On va faire le virage là. Ouais. Fax-pomme pour une avance directe, on entoure un peu la cité. Fais rentrer base gauche, rappelez base. Ah, rappellera base, pas de côté. Voilà. Il y a la caméra qui prend, donc tu passes un peu à droite, et voilà. Ouais. Bon. Voilà, on va relire. Hop. Allez, on va chercher. On arrivera dans l'arc vent, plan, on mettra 10 degrés de volée. Voilà. Ah, on peut faire comme ça, la proche, la prend. Ouais, comme ça, ouais. Ouais. Normalement, on passe un truc, mais bon, moi, j'y ai demandé, il n'est pas. Et c'est pas alors. Ah, voilà. Ah, ouais. Ah oui, c'est super cool là. Voilà, on va aller même pas, ils sont, taxi lampe, voilà. Ok, j'ai le terrain en vue. J'ai la cité en vue. Voilà, tu restes à 1500 pieds. Voilà. Après, on va se retrouver trop mal. Voilà. Là, t'as la cité, voilà. Ah, la 1500. Ah, on la voit magnifique là. Ouais. On voit le terrain aussi. Donc, tu mets 2000 tours, tu mets 2000 tours. On arrivera dans l'arc volant, on se retire l'hydrogène, tu restes tout ah ouais, comme tu veux, ouais. Tu verras faire un peu plus droit, tu pour l'avoir mieux, je sais pas comment tu le fais. Ah non, ouais, d'accord. Voilà, okay. Tu descends pas. On va d'accord, se retrouver okay. Trop bas. On voit la cité, on voit l'axe. Voilà. Voilà. Là, je te mets 1500 tours, on redescend pas trop, parce que toi on a le papillon, on est en plus bas, là-bas. Ok. Voilà, tu stabilises, parce qu'on est trop bas. Allez, j'arrive en prospecté. Allez, voilà. Je te mets 10 degrés de volée. On est à 100 nœuds là. 100 voilà. Ok, ça y est. Allez, t'as 10 degrés de volée. Voilà. Ah, tu restes comme ça dans le pack. Voilà. C'est bon. Ok. Ah, on est en finale, le Fox Hotel. Fox Hotel, piste 28 autorisé à atterrissage, le vent du 280 pour 79. On va atterrir, Fox Hotel. Voilà, voilà, on va mettre. On garde 70, 60 à combien ouais, 80 là. Entre 70 et 80. Allez, on met 1700 tours, je mets 30 degrés de volée, c'est pas la peine d'en mettre 40. Voilà, on y est. Voilà, on se fait comme ça. Un peu, 700 tours, voilà comme ça. On a combien 65, 70, c'est bon.
Ouais, quand j'en ai en face, hein, donc tu mets trois blanches, deux blanches, deux rouges. Et qui te fait toucher là-bas au plot. Hein. D'accord. Donc si tu veux, l'axe, tu le gardes plus au pied qu'au gauchissement. Ouais. Parce qu'en termes de vitesse, il était, c'est pas trop efficace. On va remonter un peu, donc tu, voilà, tu relèves. Tu gardes 15, entre 15 et 500 tours, c'est bon. 500, d'accord. Voilà. Parce qu'après, tu vois, tu as un machin au niveau de la rocade. Là. Ah donc, oui, tu vois, ça, ouais. Donc, mais de l'autre côté, c'est plus flagrant. Parce que tu as une marche, tu as un trou, tu vois. Ah, d'accord. De l'autre côté, ouais. Voilà. Donc, tu gardes le 110. Donc, tu gardes l'axe au machin au pied. Voilà. Ouais. Hop, voilà. Voilà, c'est bon. Là, c'est le câble. Il faut savoir qu'il a moins d'effet de sol qu'un avion avec une aile basse, hein, comme tu as une aile haute. Là, c'est bon. Voilà. On est à 70, dernier. Ouais, c'est bon, ouais, tu descends. Encore, vas-y. Mets un peu le pied, tu réduis, tu réduis tout. Hop, là, un tu peu gardes dur. Un peu le néo. Oui, là, tu gardes le nez. Voilà, hop, déposé. On rentre les volets. Je t'ai laissé rouler pour Bravo et l'Aviation Générale. Affirmatif. Fox à Sotel, j'appellerai la Fox à la direction générale. Elle tire à se rouler. Voilà. On va déjà combien. Bonjour. Alors on met le truc à zéro. Voilà. C'est à la prochaine. Voilà. Et alors, ah, celle-là, là, voilà. Ok, on prend la ligne jaune. Voilà, donc tu mets plein de pieds à la gauche, voilà. Ah ben c'est parfait. Ah. Ah ben écoute, merci beaucoup. Hein. Ça a été un régal. Ça va Nicolas? Ça va, ouais, nickel, merci. Ça va mieux? Ouais. Bon. Ah ouais, dis donc, c'est beau la région. Hein. C'est beau du sol, c'est beau de là-haut. Bon, ben on va arrêter les caméras.